Les accessoires de gymnastique rythmique sont restés rangés aujourd'hui au club Spirale Guadeloupe, et ce, pour laisser place à un tout autre cours. En effet, pendant les vacances, le club a décidé de s'ouvrir à la danse, et au programme ce lundi, un cours de hip-hop pour les débutants, mais aussi pour les danseurs les plus aguerris. Objectif, permettre à chacun de s'exprimer à travers la danse, quel que soit son niveau. C'est en tout cas ce que veut transmettre le danseur Masti Sidney. Faire pouvoir passer des savoir-vivre, des savoir-être à travers la danse, savoir collaborer, savoir écouter, savoir mettre sa personnalité. Je pense que c'est important pour prendre confiance en soi et avancer dans la vie tout simplement. Personnellement, la danse a été pour moi, ça m'a apporté un équilibre, même par rapport à mes études. C'était quelque chose dans lequel je réussissais à me ressourcer. Et jusqu'à maintenant, c'est une sorte d'exutoire pour moi, et c'est aussi un biais, un moyen pour moi de m'exprimer tout simplement, de partager avec les gens. C'est une énergie que j'ai toujours eue dans ma famille, c'est quelque chose qui a toujours permis de rassembler les gens, et je pense que c'est l'un des moyens les plus positifs de communiquer autour de la musique, etc. C'est un partage de culture, c'est extrêmement riche en fait. Une culture qui a su attirer les foules. Depuis le lancement du projet, le club voit chaque jour de nouvelles têtes. On a plus d'une trentaine d'inscriptions. Donc on a dû bloquer les inscriptions puisque sinon, comme vous voyez, la salle n'est pas extensible, donc ça aurait fait vraiment trop de monde. Et pour que le cours soit riche, il faut vraiment que tout le monde puisse bien entendre, bien participer et qu'on ne soit pas l'un sur l'autre. La danse serait donc un langage universel ici en Guadeloupe, à tel point qu'elle s'inscrit dans le mode de vie dès le plus jeune âge. J'ai toujours aimé danser depuis petite, je faisais du crocage, j'ai eu la chance en fait de faire des stages de danse, et ça a toujours fait partie de moi en fait, donc du coup tout le temps je danse et j'aime ça. Ça représente l'amusement, le dépassement de soi, et puis on s'amuse en même temps puisqu'il y a les copines et tout, donc voilà, c'est pour ça que j'aime danser. Et quand la danse devient une passion, on en oublie presque la fatigue. La plupart des jeunes présents au cours de hip-hop ce matin ont d'ailleurs prévu d'enchaîner avec celui de jazz.